Bonsoir. Vous savez, je vais pas parler fort aujourd'hui. C'est ce qu'on a détaillé sur ses fortunes. C'est ça le 31, les 40 000 d'aujourd'hui par Ça, c'est pour vous dire, non? Oui, les 20 000 et 25 000 de consultation. C'est le Ah. 20 000, c'était écrit produit. Elle envoie déjà. Pas OM, elle envoie Parce 40 qu'elle, 000. Regarde. Combien? Peu importe ce qu'on lui a mis ici là. Voilà, c'était 25 ici là. C'est ça. C'est ça, oui. Ça, c'est pour le lavage qu'il faut aujourd'hui. Ça, c'est pour ces quatre enfants. Voilà. Explique-lui à nouveau. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes très découragés. Ça fait 20 ans. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne vois pas le devant, tu ne vois pas le derrière. Ici. Tu reviens quand on continue ton travail. Lundi, on installe Internet ici. Là. Tu reviens lundi. La conscience va faire la vie pure. Mais elle est que demain, elle vient encore. Il n'y a pas de problème. Elle m'a dit WhatsApp et quoi, et YouTube, quoi. Oui, moi, je peux te montrer, papa. À demain, alors. J'espère qu'elle peut parler maintenant. Je ne parle pas seulement, je ne parle pas pour tout le monde. Je sais que, il y en a, vous m'écoutez. Je suis comme le dernier espoir que vous aviez. Parce que, Vous avez tout vu. Vous avez tout essayé. Mais il y a un découragement. Vous ne inquiétez pas, ça vous êtes. Je veux juste que vous teniez bon encore. Encore un peu. Vous avez cherché depuis 20 ans la solution. Vous ne trouviez pas. Parmi vous, il y en a qui vous êtes 10 ans de mariage. 15 ans en Europe. Voilà la cousine d'Anatole là-bas. Elle veut dormir dans mon bureau. En montant les ans, et pas que là-bas rester. Vous voyez. Excusez-moi, aujourd'hui là, je sais pas pourquoi je sens beaucoup vos énergies. Je sens l'espoir et je sens le désespoir. Je sens le désespoir qui a fait naître l'espoir que vous voyez quand vous m'écoutez. Écoutez, écoutez, ce que vous avez vu en moi, que vous avez écouté le premier jour, vous avez dit, hey, j'ai cherché la femme, c'est depuis. Oh, wow. J'ai lâché, donc je ne savais pas, mais j'avais besoin de ça. Peut-être que je ne vous verrai jamais physiquement. Hein. Peut-être que vous ne connaissez même pas, vous m'écoutez, vous n'avez jamais commenté. Tenez bon. Tout ce qui vous opprimait, c'est fini.
Je ne vous parle pas seulement pour vous faire plaisir. Quand les enfants d'Israël sont retrouvés devant la mer, Exode, c'est bien ça, Erika. Ton projet avance. Exode 14. Moïse répondit aux enfants, n'ayez pas peur. Exode 14, verset 13. N'ayez pas peur. Écoutez, vous ne savez pas qu'il vous faut seulement une parole. Pourquoi tu te lèves encore, tu dis non, il va encore essayer. Il va encore essayer. C'est bon quoi? Do not be afraid. Stand firm. Stand firm, ça veut dire que n'aie pas peur. Lève-toi, tu te mets bien haut comme ça là. En montant des sanctuaires là, je vais payer mon loyer. Je n'aurai plus d'arrêt de loyer. En montant des sanctuaires, mon revenu ne va plus jamais descendre. Flore, j'ai prononcé ton nom. Tu es content? Parce que ça commence dans ta tête. Toutes les fois, tu as chuté. Toutes les fois, tu as chuté. Ils ont commencé dans ta tête. Stand firm and you will see the deliverance of the Lord. You will see the deliverance the Lord will bring you today. Joie et voyez la délivrance que Dieu va amener vers vous aujourd'hui. Louisiane, si tu penses que c'est parce que je n'ai pas appelé ton nom que tu ne veux plus me suivre, tu pars. Je suis en train de dire des choses qui sont importantes. Arrêtez votre égoïsme. Vous amis, vous bloquez. On est dans une bataille, ce n'est pas la blague. Une dame aujourd'hui, je la prends en consultation. J'ai consulté très peu de personnes aujourd'hui. Elle me dit, j'ai rêvé, j'avais des petites, c'est comme ça doit être une légion qui la poursuivait. Des petites personnes noires qui la poursuivaient, grillées comme ça. Après quoi, elle fuit, elle arrive quelque part, elle me voit sur un trône. Et à côté, il y a quelqu'un de sa famille. Et on s'est levé tous les deux. On a tendu la main. Les entités l'ont fui. Ils l'ont laissé tranquille. La bataille que vous sentez à l'intérieur de vous là, c'est pas la blague. Depuis 5 ans, chaque fin d'année, tu as toujours les mêmes problèmes. Tu as toujours les dettes de 2 millions chaque fin d'année. Dans l'année, tu as touché 7 millions. Fin d'année, tu as les dettes de 2 millions. Thank you.
Quand vous êtes Decepticons, vous vous pointez, je vous bloque une fois. Il y a des Decepticons qui sont sages. Ils viennent dans mes vidéos, ils ne commentent jamais. Ceux qui sont courageux là, que les démons qui sont en vous sont bouillonnants là, vous parlez. Je vous bloque une fois. Vous devez comprendre que c'est pas là. Donc, il y a les gens qui ont juré que vous là, vous n'allez. Comme tu arrives en Bengla, tu vas rester là-bas 25 ans. Vous n'avez pas à Wanda que. Il y a des gens que vous êtes en Europe là-bas, c'est comme si vous êtes venu les accompagner. Grosse maison, grosse voiture, pourtant vous êtes arrivés en Europe ensemble la même année. La même année. Tu tournes les jobs. Chaque année, tu n'as pas la voiture. L'hiver te touche. Dès que tu as l'argent, toute ta famille connaît que tu as l'argent. Tu vas là, Western Union, Western Union, RIA, RIA, Western Union, RIA, Western Union, c'est fini. Moïse dit, n'ayez pas peur. Soyez ferme et vous allez voir la délivrance que l'Éternel va vous apporter aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ce n'était pas une seule personne qui dérangeait les Israélites. C'était une légion. Les Égyptiens, c'était une armée. Et qui fait citer ces 60 000? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus jamais les voir dans votre vie. Les problèmes que vous avez vus en 2021 là, je vous dis, suivez seulement ce que je vous dis. Vous allez plus. Donc tu vas rester sans, tu vas dire que yay, toi vous aussi toucher 5000 euros en une fois dans ma main, que c'est mon argent. Hey! Chaque fois que tu touches, tu as souvent peur. Tu as souvent peur de toucher 1000 euros dans ta main en une fois, tu dis que yay. Parce que tu sais que c'est 1000 euros de la dette. Il y a le loyer dedans, il y a l'argent du bail dedans, il y a l'argent de EDF dedans, il y a l'argent de qui est. Ha! Je vais vous relire le passage et je vous donne ça. C'est votre. Méditez sur ça. Ruminez-moi le passage ici. Parce que quand tu regardes le verset 12, les enfants d'Israël voulaient rentrer. Ils sont sortis de la servitude. Et quand Moïse est venu les délivrer, il leur a donné des rituels à faire. Il y avait des rituels à faire. Il a tué l'agneau, il a donné à chacun un peu de sang à chacun. Arrive à la maison, tu prends la feuille, tu mets dans ça. Tu mets sur ta porte, tu traces. Quand vous croyez que vous maîtrisez la Bible. Il y avait des rituels. Quand tu peux mettre sur ta maison comme ça, le dévoreur qui passe, ça tue dans les maisons. Ça mange la viande, la nourriture des gens. Ça vide les comptes bancaires des gens. Ça ne va plus localiser ta maison. Parce que vous n'aimez pas témoigner. Si vous n'avez pas dit, vous n'aimez pas dire comment vous souffrez souvent. Tu ne vois jamais l'argent. Par mois, tu peux voir 5000 euros dans ton compte. Rien ne t'appartient. Tu touches 2 millions comme ça là, pioup, c'est parti. C'est parti. Tu es habitué. Argent constant, 50 000. Tu tournes dans 50 000. Et le problème, quand on te sort le problème, on s'en dit, ah, je vais faire comment? Gars, 500 000, je vais faire comment? Tu dois encore les taper les mains, supplier. 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 Hey! Elisa Kabeyene, tu sais quoi? Moi, elle te bloquait. Quand il dit mes choses sérieuses comme ça, là, ne venez pas me faire votre humour là.
Les gens payent en euros au Cameroun. Et comment vous simplifiez le Cameroun là? Où est-ce qu'on est pauvre au Cameroun? Quand ils sont sortis, ils ont fui. Parce qu'il y a des endroits. Il y a des endroits que quand vous sortez de là, pendant une semaine, deux semaines, ça va. Tu commences à fuir, tu fuis. Un problème vient, ça porte tout l'argent que tu avais économisé, que tu avais un peu, tu touches un peu sa tête. Hey, maman, enfin, je vois aussi un million. Puisqu'il n'y a pas un problème urgent. Hey. On t'appelle, maman, il y a un problème d'urgence. Il faut combien? Un million. Alors que tu venais, ça fait deux semaines que tu avais mis un million aussi. Comme ça, que, je vais enfin acheter le terrain. Je dois vous parler parce que ne vous inquiétez pas. Comment vous avez commencé le sel là? Vous avez commencé ceci, cela. L'argent va commencer. Vous allez commencer à voir les petites entrées. Petites entrées. Mais les problèmes vont commencer à vouloir venir. Verset 12. Ils sont en train de dire à Moïse que on ne t'a pas dit en Égypte que tu nous laisses tranquille. Laisse-nous servir les Égyptiens. Ça aurait été mieux. Si on restait servir les Égyptiens là-bas, au lieu de venir mourir au désert, nous, il fallait nous laisser là-bas. J'étais chez le patron, là, il touchait moi 150 000, ça m'allait. Maintenant, tu es venu me dire que je peux avoir un million le mois. Votre combat arrive. La bataille là. Moi, hey, ma marraine, toi aussi, ah, moi, je dois me lever, je veux me laver matin, midi, soir. Je dois me laver le matin, le soir. Non, il fallait même me laisser là-bas, je ne me lavais pas, ça allait. J'avais quand même un petit gars qui venait me donner l'argent de temps en temps. Sorti de la servitude, de l'esclavage. L'esclavage de l'emploi. L'esclavage que tu attends que c'est les gars qui viennent te financer. L'esclavage, vous avez, chacun a sa forme d'esclavage ici. L'esclavage du bailleur. Ils disent à Moïse que pas, Moïse, tu as fait, on a fui, on a cru qu'on pouvait être libre, qu'on va avoir le miel, qu'on va avoir aussi le lait. Nous voilà. Ils sont derrière en train d'arriver. Voilà la mer devant nous. Moïse, il fallait nous laisser là-bas. Il fallait me laisser chez mon ex-mari là-haut. Il me tapait ses frères. Il me bloquait. Mais ça va, j'avais quand même un endroit dormi. Moïse dit non. Non. N'ayez pas peur. Ce que vous avez vu quand vous avez commencé à m'écouter là. Ne laissez pas l'offense entrer dans votre cœur. Parce qu'il vous faut encore peut-être 6 ans avant de tomber sur quelqu'un qui va venir. Ma part d'appel, si ce que je suis venu faire dans vos vies. Je ne suis pas là pour blaguer avec vous. Il y en a parmi vous, vous êtes parti à l'église de réveil, vous avez contourné l'église de Marabout. Quand vous tombez sur ce que je dis, yay. Dans le rêve, tu vois seulement comment. Et c'est que ça me plaît parce qu'eux-mêmes, ils vous montrent un rêve. Ils vous montrent un rêve. Tu restes, tu vois toi-même. Dès que tu commences, tu vois, tu es dans une forêt, tu es perdu. Après, je viens et te montre la route, pas là-bas, tu pars, tu vas là, tu sors, tu arrives sur la route. Il y en a, vous avez, dès que tu commences le business, on bloque. Tu mets la marchandise sur sa cale. Moïse leur dit, écoutez, je ne suis pas venu vous prendre de la servitude que vous faites depuis 400 ans là. Pour vous amener, vous mourrez devant la mer. Je ne suis pas entré dans votre vie pour vous faire souffrir. Mirandongo, il y a le kit de maison. C'est-à-dire, il y a les choses que tu dois brûler. Brûle beaucoup d'encens à la maison. Et aussi les poudres que tu dois mettre dans les coins de la maison pour protéger la maison. Il y a l'esprit du dévoreur chez toi.
un moment, il faudrait vouloir faire marche arrière. Tous ces lavages qu'elle dit là même. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Tous ces lavages qu'elle dit là. Ah. Moi, je suis fatigué. Je ne veux pas vous dire le nombre de maris qui sont tombés sur les boîtes de lavage de leurs femmes. Comment ça leur fait des problèmes? Voilà, tu n'as pas d'adversité. Tu commences à te dire que, ah, il a même raison. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai même cru que la femme pouvait même m'aider avec quelque chose? Je vous dis aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai fait le direct ici. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez ferme. Il y en a parmi vous, là, vous êtes les milliardaires, vous ne savez même pas encore. La semence que je dépose dans vous chaque jour là, je ne vais pas vous dire le nombre de business que les gens ont commencé seulement en m'écoutant. Vous ne m'avez pas, je ne vous ai pas consulté. Tu m'as écouté, tu as fait ce que j'ai dit dans les vidéos. Tu es en train de lancer ton entreprise. N'ayez pas peur. Soyez ferme et vous allez voir la délivrance que l'Éternel va vous amener aujourd'hui. Les problèmes que vous voyez là, les mauvais esprits que vous poursuivez la nuit là, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va se battre pour vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être calme. Gardez votre calme. Il y a la mauvaise nouvelle qu'on va venir vous dire. Avant que tu paniquais, tu appelais tout le monde. Oh, on m'a dit que... Oh. On voit nécessairement qu'on te parle de tout si tu es calme jusqu'à... Tu es zen. Comme ma chérie, c'est comment, non? Je me lave avec le sel. Je mange mon don. Je fais ma déclaration. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Mais tu es sûr? Hein? Non, on m'a dit que l'endroit là, non, tu ne veux même pas. Hé, hey, comment? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je viens chasser toute peur, toute panique qui a été mise dans votre cœur aujourd'hui. Toute mauvaise pensée, suggestion, qui est en train de mijoter dans votre esprit. Je les chasse par la parole de l'Éternel. Jésus disait toujours, only believe. Crois seulement. Ne laisse pas l'espace pour le doute. Je crois que toi, au fait, tu avais pris le truc du visage, non? Au fait, quand tu parles de ton rêve, je vois qu'il y a le visage dedans. Un bout de filet, les filets là. Parce que quand ils mettent les toiles d'araignée ou les filets, parce que les gens, quand ils utilisent le produit pour le visage, ils ont souvent les... Ils voient souvent comment ils enlèvent les araignées ou bien les filets sur le visage.
Et quand vous traversez une période de trop de doutes dans votre tête, dites-vous toujours que au bout de cette confusion, il y a le sourire. Il y a le sourire. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je vais continuer à faire ce que j'ai commencé à faire. Tout ce que je sais, c'est que je vais continuer à faire ce que j'ai commencé à faire. Paul a dit, on ne fonctionne pas par les émotions. Pas par ce qu'on voit. We walk by faith and not by sight. On marche par la foi, pas par la vue. Jésus disait toujours que crois seulement. Après, il dit que ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit que Jésus-Christ t'a sauvé. Your faith has saved you, has made you whole. Je viens chasser tout doute. Any insidious ideas. Toute suggestion maléfique qui est en train de se réveiller dans votre cœur pour gâter votre bénédiction. Tout commentaire qui a été fait, peut-être dans le passé, qui est en train de revenir dans votre esprit. Je viens enlever, je chasse le doute de votre esprit. Je chasse le doute de votre esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse le doute. Je vous revitalise, je mets la force en vous. Je déclare que la fatigue qui est en train de venir vers vous là, je chasse cela au nom de Jésus. La Bible dit, ne te fatigue pas de faire du bien. Je demande que vous soyez assistés par vos anges. Que vous ne faiblissiez pas. Si c'est le jeûne, que vous allez jusqu'au bout de votre jeûne. Je demande à vos anges de vous fortifier, ange Michael, ange Gabriel. Que les paroles que vous venez d'écouter soient pour vous un fortifiant. Je déclare que vous n'allez pas faiblir. Je déclare que vous n'allez pas faiblir. Je déclare que vous n'allez pas faiblir au nom de Jésus. Quand il parle comme ça, tu veux sentir la force que j'ai à l'intérieur de moi. C'est comme un bulldozer dans mon esprit. Ah, je sens comme si recevez la persévérance. Paul dit, stand firm. After having done all, stand. Donc tu as fini de faire tout. Tu es lavé, tu as fait ceci, tu as fait ça. Tu es là, tu es debout. Tu maintiens ta peau, je vais me marier. Tu maintiens, je vais faire ceci. Je vais avoir ma voiture. Je vais voyager. On te dit, mais madame, on a refusé le visa pour la 10e fois. Vous ne pouvez même plus demander le visa. Je vais voyager. Je vais traverser. Je vais traverser. Tu es bloqué dans un territoire là-bas. Je vais traverser. Tu pars, tu te mets devant l'eau, tu parles. Moïse a parlé à la mer où je te parle à toi, océan. Quelles que soient les entités qui sont là pour m'empêcher de traverser, je traverse. Écoutez, je réveille le lion qui se trouve en vous. Vous allez vous marier, vous achetez vos voitures. Et votre mariage, ça n'est pas un petit mariage. Ce sera le venez voir. Parlez encore. Parfois, hein, c'est comme si Dieu permet que les déceptifs qu'on a viennent peuvent faire leurs petites choses là pour montrer sa gloire. Si Sarah avait accouché à 45 ans, elle ne serait pas dans la Bible. Elle ne serait pas dans la Bible. Si elle va accoucher à 50 ans, elle ne serait pas dans la Bible. C'est parce qu'elle a accouché à 90-9-0. Et le démon qui attaque les femmes qui, pour faire qu'elles n'accouchent pas là. Écoute très bien, je me lance contre toi aujourd'hui. Je prends pour mission personnelle de faire accoucher les femmes. Même à 60 ans, 70 ans. Toutes les larmes qu'on vous a données. Tu es, peut-être je suis là venu accompagner les femmes aujourd'hui sur la terre.
Je vous libère. Prenez de l'eau, vous priez sur cette eau-là, vous buvez ça aujourd'hui. Vous appelez votre cycle menstruel. Parlez à votre utérus. Je te commande de prendre la vie. Toute entité qu'on a mis en toi, tout démon qui veut se loger dans toi là, par cette eau que je bois, je vous commande de sortir. Quand tu rencontres un gars pour rester avec toi, il faut dire qu'il veut l'enfant. Tu as 45 ans. Ma chérie, prends l'eau, tu bois, tu parles. Voilà. Je suis la seule à sentir que vous, je suis connecté à vous. Hein. Peut-être que vous ne sentez pas. Ce n'est pas pour rien que vous me voyez dans vos rêves. Je suis connecté à vous. Quand vous prenez un truc que j'ai dit, en faisant un truc, vous dites que c'est parce que la reine a dit que je fasse ça. Sachez que je suis là avec vous. Sachez que mes anges gardiens sont là avec vous. Mes ancêtres et vos ancêtres sont là. Quand vous êtes en train de faire, que je place les vers au sol, je place les mains sur moi, je parle. L'oppression est finie dans votre vie. L'oppression est finie, je vous dis. Elle a l'argent, est-ce qu'elle a l'enfant? Écoutez, vous allez sourire. Quand on a dit à Sarah que tu vas accoucher l'année prochaine, elle fait, l'ange dit, mais pourquoi tu as ri? Elle dit que donc, aussi, dit que moi aussi, je suis heureuse. On va vous appeler béni. Jumeaux, filles, garçons. Seigneur, je bénis les personnes qui écoutent cette parole et qui s'accrochent à cette parole. Ceux qui avaient besoin de financement pour aller se faire les inséminations artificielles, recevez votre argent pour vos financements au nom puissant de Jésus. Ceux que vous attendez qu'on passe votre dossier, je déclare que votre dossier est maintenant au-dessus de la file d'attente au nom puissant de Jésus. Ceux qui désirent porter les bébés là, je déclare, je vous ouvre ce soir. J'ouvre vos voies. Quelle que soit la voie, vos anges vont trouver la voie, vos ancêtres vont trouver la voie. Vous allez porter l'enfant. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié et je déclare sur vous. Amen. Votre joie sera parfaite et complète. Écrivez là-bas. Écrivez, je ne manque de rien. Quand la Bible dit que le Seigneur, mon péché, je ne manque de rien. Je ne manque pas d'enfant, je ne manque pas d'argent, je ne manque pas de voiture, je ne manque pas de mari. Allez encore méditer sur le psaume 23, s'il vous plaît. Mince, je sens qu'elle veut toucher quelqu'un là-bas, il ressuscite des morts. Jesus. Je sens la puissance en moi. Jesus. Prenez un cahier, mettez la date, marquez la date ici. Il y en a parmi vous, je vous donne 12 mois. 12 mois. Vous allez avoir votre enfant dans votre main comme ça là. Tu vas dire que yay, ce bonheur que j'ai tant désiré. Je suis vos larmes. Je suis vos larmes au nom de Jésus. Écrivez que j'ai reçu mes enfants aujourd'hui. Vous mettez la date, mettez leur. Mettez leur nom dessus. Mettez le nom de vos enfants. It is done. C'est déjà fait. Tu vas voir que c'est même dans 4 jours que tu vas rencontrer le père. Mais tu as reçu tes enfants, hein. Première fois, pam, l'enfant entre. Tu confirmes le code. Non. On voit pour vous bloquer dans votre famille. C'est fini. C'est fini. Hey. Jesus. On est venu, on va faire la fête de ça. Oh. Bye bye. Bye bye. Bonne nuit. Ma batterie est finie.